et jamais des matchs faciles à gagner. À la mi-temps, en ayant fait presque 40 minutes de bonne facture, en 5 minutes, on aurait pu perdre le match ou se mettre en difficulté. Et donc il a fallu recadrer certaines choses à la mi-temps, remettre un petit peu les têtes à l'endroit parce que bon, il y avait un peu d'énervement, et mais c'était pas particulièrement mérité. Maintenant, il est vrai que en deuxième mi-temps, après, il a fallu essayer de pousser, essayer de faire des changements, essayer de mettre un peu plus de rythme, et puis on a la chance de pouvoir obtenir ce penalty à la fin. Souvent dans des matchs comme ça qui sont pas faciles à l'extérieur à venir gagner, il y a un gardien qui fait ce qu'il faut et un attaquant qui fait ce qu'il faut aussi. Donc ce soir je suis très heureux pour le groupe parce que on n'est pas aidé entre encore des blessures, beaucoup de changements. Voilà, on essaye de faire ce qu'on peut. Je pense que les joueurs adhèrent à tout ce qu'on met en place, mais voilà, je suis quand même fier de ce soir parce que malgré l'adversité, parce que c'était pas facile de jouer contre un bloc très très bas comme a joué Rodez, et on a su malgré tout obtenir cette victoire. Le but à la mi-temps, c'était que si jamais on devait repartir avec un point, il fallait repartir avec un point. Après, on a essayé malgré tout quand même de forcer un petit peu le match pour essayer de revenir avec 3 points. Donc voilà, après c'est vrai qu'il fallait faire très attention à nos paires de balles, notamment quand on passait par l'axe, parce que je crois que c'est là qui nous attendait, et il fallait essayer de contourner leur bloc. On a essayé de mettre pas mal de choses en place, et puis sur ce qu'on avait travaillé cette semaine, ça a marché. Donc voilà, tant mieux pour nous, parce que prendre 3 points ici, c'était important. C'est jamais facile de gagner ici, et pour rester dans une série positive avant d'attaquer des gros matchs aussi contre Valenciennes, contre d'autres équipes, c'est important de gagner aujourd'hui. On a la chance de pouvoir mettre des joueurs frais qui puissent nous permettre à un moment donné de faire la différence. Et la rentrée de Brandon et de Ali sont intéressantes, puisque Brandon a fait une bonne rentrée, s'est procuré pas mal d'actions et d'opportunités. Et Ali est passeur sur le penalty. Donc voilà, c'est ce qu'on avait recherché, qu'on avait travaillé. Et je vous avais dit que j'avais besoin d'un groupe et qu'on a travaillé avec un groupe et que j'avais confiance en tout le monde malgré tout ce qui se passe aujourd'hui pour nous. Donc voilà, on fait confiance à tout le monde.